C'est un peu juste pour trouver du monde pour ce raid Giratina. Je pense que tout le monde en a déjà marre de Giratina parce qu'il est pas très fort et il va rester jusque encore. Il va rester pendant encore presque un mois puisqu'il va partir le 23 novembre. Il me semble, mais c'est valu le coup quand même de faire un petit Giratina pour le symbole, pour la fin de cet événement Halloween. Il se termine demain à l'heure où je parle, mais je pense que je vais sortir cette vidéo le lendemain de son tournage. Et Spiriton, je voudrais le terminer avant la fin de l'événement, ce serait quand même symbolique, on va dire. Il me manque plus que, je crois, 3 ou 4 Pokémon à capturer pour la mission capturer 108 Pokémon, et c'est la récompense de cette quête-là qu'on a Spiriton en récompense, et la suite apparemment c'est gagné d'office dans la page 3. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, j'espère qu'on s'est pas foutu de ma gueule. Je vous parlais de Munja dans la vidéo précédente et je voulais le récupérer dès le 1er novembre. Ce ne sera pas possible puisque j'ai été obligé de récupérer Suicune pour pouvoir avancer dans mes quêtes spéciales justement. Donc je me suis un petit peu fait avoir, donc je devrais attendre le 3 novembre. J'essaierai de le capturer en vidéo, mais je suis pas certain que le timing soit vraiment optimal puisque je ne serai pas là le week-end prochain. Enfin, je serai en déplacement le week-end prochain pour une compétition, donc ça va être difficile pour moi de vous tourner une vidéo ce week-end là. Cela dit, je vais essayer parce que Munja c'est quand même un Pokémon très particulier. On va découvrir comment il fonctionne. Alors non, mais les Baudrives à une main, c'est juste pas possible. Hein. Il me manque pas grand chose pour récupérer Spiriton. Ce serait un petit peu le symbole de cette fin d'événement Halloween avec plus que Giratina quand même. Plus que 2 Pokémon à capturer. Je vais me retrouver avec plus beaucoup de place dans mon stock moi avec ces histoires là. Hein. 1450 sur 1500, ça commence à être très 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 compliqué. Devinez qui a mis les leurs qui sont ici. Bah évidemment, c'est moi, comme ça m'évite à trop me déplacer pour rencontrer des Pokémon. Je vais quand même bouger un petit peu parce que j'en ai mis 3 des leurs. Ce sera un petit peu dommage de pas profiter des 3, même si j'y suis presque. On touche au but. Ah bon, au final, c'est un Skenox qui pop pile sur moi. Pas de Shiny, toujours pas hein, de Shiny pour moi dans cet événement. Il y a plein de trucs que j'ai pas. Enfin, plein de trucs que j'ai pas. J'exagère un petit peu. Bah, pour l'instant, Spiriton, mais bon, je vais arrêter de parler de lui. Il me manque le Pichu chapeau. J'aimerais bien en avoir 2, voire 4. Je serais content avec 2, mais ma satisfaction serait totale avec 4. Pour l'instant, je suis à 0. Donc, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Après, j'ai encore quelques œufs de kilomètres qui traînent. Mais je les fais éclore un par un, les uns après les autres. Avec l'incubateur de base, l'incubateur gratuit, si vous voulez. Donc ça met pas mal de temps. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, vous le savez peut-être déjà, mais bientôt, et je crois que c'est déjà en bêta sur Android, mais la distance qu'on parcourt, les pas qu'on fait, ça va bientôt être... Enfin, pour plein de fonctionnalités dans le jeu, hein, récupérer les bonbons avec le copain, marcher pour les œufs, et il y a encore 2-3 choses qui fonctionnent avec ça, eh bien ça va bientôt être comptabilisé, même quand l'appli est fermée. Est-ce que c'est un peu trop fort? Oui, probablement, enfin un peu trop fort. Oui, c'est théoriquement un moyen de faire éclore les œufs plus vite, d'avoir un petit peu plus de bonbons, même si ça, c'est je pense, un détail, parce que ça reste un petit peu dérisoire le nombre de bonbons qu'on récupère en marchant. Mais moi, je pense que ça va avoir un effet pervers, c'est que ça va nous donner envie d'acheter des incubateurs pour profiter un maximum de la marche qu'on va faire. Donc, à mon avis, on va être un petit peu incité voilà, à l'achat. Encore une fois, nous sommes dans une société terrible. Et la récompense Spiriton, c'est celle du BAM. On va commencer par récupérer les 1080 d'expérience ici. Le premier, c'est qui? Je me rappelle pas du tout qui c'est. C'est un feu forêt. Bon, très bien. J'en ai pas spécialement besoin. On va le capturer tranquillement. Bah oui, Frambit Doré, Super Bowl, ça va rentrer sans problème. Ah bah non, mais voilà une rencontre que j'aurais pu faire. Enfin, un Pokémon que j'aurais pu capturer. J'ai pas besoin de mettre autant d'ensemble. Bon, mon lancer est un peu nul, mais vous m'en excuserez. J'ai déjà des feux forêts, même des très bons feux forêts, hein, pour pouvoir les évoluer en Magie Rêve quand ça arrivera. Ne me demandez pas plus d'informations par rapport à ça. J'en ai toujours pas. J'en ai pas plus que n'importe qui habituellement. On va récupérer voilà, la dernière récompense de cette deuxième page, et c'est bien Spiriton. Tiens, on va en profiter pour prendre une petite photo aérienne. Oh, il a une sale gueule, il a une sale gueule, mais ça lui va bien. On va voir ça, on peut voir ça comme ça. On va quitter le mode AR et voilà, ça relance entre guillemets la rencontre. Hein, ça a été patch comme ça pour éviter les bugs avec tout simplement le mode photo, parce qu'il y avait pas mal de bugs par rapport à ça. Est-ce qu'il est difficile à capturer à Pokéball, le Spiriton? Il n'est pas ultra difficile, enfin ouais, en même temps j'ai mis une Beframe dorée, donc forcément je me rends pas forcément compte à la base que c'était. Par contre il bouge énormément, il est chiant hein. Cynthia, clairement tes Pokémon ils sont chiants. C'est un super lancé, ouais ça devrait rentrer. Frambit Doré super lancé, le cercle était orange, mid orange on va dire. Et oui, ça rentre dès la première ball. Et alors ouais, j'ai pas mis de chance, même si vous l'avez vu, je suis passé niveau 39 il y a pas longtemps. Vous le savez, je veux théoriquement pas passer niveau 40, mais bon,
pour les requêtes de Pokéstop, ça me dérangerait pas. Donc je suis dans une situation un peu nulle où des fois je suis content de récupérer de l'XP, des fois je suis pas content. C'est une situation un petit peu particulière. Quoi qu'il en soit, c'est les derniers instants pour moi de cet événement Halloween. Je vais juste checker les shiny parce que Polichon et Pikachu, c'est des Pokémon que j'ai déjà dans une quantité assez importante. Quoique le Pikachu ça me dérange pas parce que ça me fait avancer dans la quête capturer 300 Pikachu, la quête Rockstar, je crois qu'elle s'appelle comme ça, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Peut-être que c'est tombé dans les limbes du montage. J'aurais pas tellement profité de cet événement Halloween, enfin j'ai pas énormément joué. En même temps, il y avait la Paris Games Week, il y avait le passage de 100 000 abonnés, puis d'autres choses à côté qu'on fait que c'était pas évident pour moi, que j'avais pas forcément le temps. Et je me demande un truc, c'est une fois que cet événement Halloween sera passé, bon, il y aura le Community Day hérissant le week-end d'après. Il va y avoir les raids Ectoplasma pour avoir Ectoplasma Shiny. Je ne pourrai pas les faire, je vous l'ai dit, puisque je ne suis pas là le week-end prochain. Mais il y a aussi le Community Day hérissant après. Ça, évidemment, je le ferai. Par contre, je resterai chez moi. Je ne ferai pas une nouvelle ville, une ville que je n'ai pas encore visitée. Mais ça, évidemment, à l'avenir, ça arrivera. Mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y aura beaucoup d'events par la suite, surtout cet hiver. Parce que le rythme des events est très, très, très soutenu en ce moment. Enfin, depuis quelques mois, on peut le dire, avec la sortie de Let's Go. Je me demande ce que ça va donner pour qu'il y ait un lien entre Go et Let's Go. Il faudrait qu'il y ait des événements réguliers et des choses qui aillent dans un sens comme dans un autre. De Go à Let's Go et de Let's Go à Go, il y a évidemment Meltan et Melmetal, mais j'ai peur que ça soit quand même très court et que ça ne fasse effet que à la sortie, en tout cas dans les premières semaines de la sortie du jeu. On en reste donc là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y laisser un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner parce que même après les 100 000 abonnés, on en veut encore plus. Et oui, effectivement, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas louper les sorties des prochaines vidéos. Et je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut tout le monde.